Bonjour à tous et à toutes, c'est Morgane. On se trouve pour un petit point info que je me dois de vous faire pour vous expliquer ce qui va se passer parce que en ce moment c'est une situation compliquée. Vous l'avez sans doute, vous êtes sans doute au courant si vous êtes venu sur les lives dernièrement. Je suis dans une période pas facile niveau santé. Je vais pas m'étendre, hein, ceux qui ont suivi les lives savent un petit peu de quoi ils retournent. Il n'y a rien de grave, il y a bien plus grave dans la vie. Vous inquiétez pas, je ne vais pas décéder et il y a des cas bien pires et je suis pas là pour me plaindre. Mais je suis dans une période pas facile et vous savez aussi que je m'investis énormément dans les lives parce que tout simplement j'adore ça. Et en même temps il est vrai que quand ça va pas, et ben justement quand vous avez des soucis de santé, et bien jouer au jeu et faire des lives, et ben je dois dire que ça vous permet de vous changer les idées. Et moi ça m'apporte le fait d'être bien quand je suis en live avec vous. Je dis pas ça pour vous faire plaisir, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est dans les deux sens. Et il est vrai que cet échange qu'on a, hein, moi le live je considère pas juste que tu joues et t'allumes ton live et c'est tout, hein, le live, on s'implique personnellement à mon sens. Et cette implication fait qu'on pense pas justement à ses soucis personnels, à ses soucis du quotidien, voilà. Et du coup je live beaucoup, mais paradoxalement c'est très fatigant aussi, tout du moins quand vous concevez le live comme moi, et que du coup vous vous impliquez justement. Et j'en arrive à un point où malheureusement je vais vraiment me forcer pendant une semaine je pense, là, la semaine prochaine en fait, donc à compter de là quand cette vidéo sort, hein, je vais me forcer à ne pas live pendant une semaine. Donc je continuerai à faire des vidéos, mais il faut que j'arrive à me forcer à faire cette vraie pause parce que je n'en fais pas et parce que je le souhaite, parce que j'aime ça, parce que voilà, comme je vous ai dit, ça m'apporte du plus. Mais en même temps, je suis dans une période où c'est juste plus possible à supporter physiquement. J'ai de gros problèmes de sommeil, etc. Donc ça devient très compliqué, même si c'est en partie de ma faute, comme je vous dis. Donc voilà. Donc il fallait que je vous prévienne, puisque c'est vrai que comme je live beaucoup, il y a des habitués, il y a des gens qui ont l'habitude de passer, que ce soit quelques fois dans la semaine ou même tous les jours, et ça me fait extrêmement plaisir d'ailleurs de vous retrouver à chaque fois, et je ne vous abandonne pas, hein, c'est justement pour aller mieux et pour pouvoir reprendre correctement les choses, et peut-être me rétablir un petit peu, même si c'est assez compliqué, puisque c'est assez chronique comme souci, voilà. Donc voilà ça, et également je suis très contente, vendredi prochain, donc ça fait pas partie de la pause, mais j'ai pas le choix, c'est un jour fixe. Vendredi prochain, je vais dans les locaux de Bethesda France pour tester Prey, qui est un jeu que j'attends beaucoup, donc je suis très contente. D'autant plus dans les locaux de Bethesda, hein, puisque vous le savez, ceux qui me suivent depuis longtemps, c'est mon éditeur coup de cœur, hein, c'est mon petit chouchou à moi. Donc voilà, donc je vous ferai un retour là-dessus, dès que je le pourrai, je vous ferai sans doute peut-être une vidéo pour vous faire mon ressenti, je sais pas encore si je pourrai enregistrer des choses sur place, si c'est le cas bien sûr je le ferai, donc voilà. Je voulais vous tenir un petit peu au courant de tout ça, c'est pas simple pour moi, ça implique beaucoup d'émotions de mon côté hein, finalement, ça me passionne vraiment le live et voilà, j'espère que vous comprendrez qu'il faut parfois faire des pauses, pour ne pas arriver justement au point de non-retour, voilà. Donc je vous dis à très vite, vous verrez quasiment pas de différence sur la chaîne YouTube, ça y aura pas de soucis, et puis on se retrouvera ensuite sur Twitch en pleine forme.